ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة سيد حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ودرى الحمد لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين ورب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد Mes frères, il était prévu que je vous fasse une exhortation sur le mois du Ramadan. Mais après concertation avec mes bien-aimés frères, vu qu'il reste encore quelques temps avant l'arrivée du Ramadan, on s'est dit qu'Inch'Allah, les frères qui donnent des doros ici auraient le temps de vous en parler. Et comme il se fait tard, on a fait un barbecue, mashallah, là, et que avec ce dars que je vais donner, la daura va se finir, j'ai voulu aborder un autre sujet. Un sujet un peu particulier qui va faire référence à un thème très connu et très traité, qui s'agit de la mort. Mais on va l'aborder différemment. Et premièrement, mes frères, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le plus intelligent parmi les croyants est celui qui pense le plus à la mort. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من لذات Multipliez le rappel de ce qui détruit les plaisirs, la mort. Et on a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس Qui sont les plus intelligents parmi les gens قال أكثرهم ذكرا للموت Ce sont ceux qui pensent le plus à la mort. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait interdit aux musulmans, hommes et femmes, leur a autorisé par la suite la visite des tombeaux. Hommes seulement. على القول بتحريم زيارة النساء للمقابر. وهذا هو الراجح والله أعلم بالصواب. Donc après l'interdiction concernant les hommes et les femmes, il y a eu par la suite une autorisation pour les hommes seulement de visiter les tombeaux. Par rapport à la parole des savants qui voient qu'il est interdit aux femmes de visiter les tombeaux et Inch'Allah, c'est la parole la plus juste. Wallahu a'lamu bis-sawab. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكركم الآخرة. Quand il a dit alayhi salatu wassalam, je vous avais interdit de visiter les tombeaux, alors maintenant visitez-les, car ils vous rappelleront l'au-delà. Dans notre version, et celui qui veut les visiter, qu'il le fasse. C'est une chose qui aide à se rappeler la mort. Le problème en France, c'est que les cimetières ressemblent à des jardins botaniques, dans lesquels se concurrencent les coquelicots et les tulipes, et les différentes statues qui servent de décoration à ces tombeaux. D'ailleurs, min babi ihya sunnah, le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam,
أو كما قال في المعنى إذا مررتم بمقابر الكفار فبشروهم بالنار. Lorsque vous passez près des tombeaux des mécréants, alors annoncez-leur l'enfer. Je leur dis بشراكم النار. هذا حديث صحيح. نعم. Comme il y a une invocation à faire lorsqu'on visite des musulmans dans les cimetières, il y a aussi une invocation à faire, entre guillemets, lorsqu'on passe près d'un cimetière de mécréants. Alors malheureusement, comme on ne peut pas visiter les tombeaux, alors que sachez que c'était la, l'habitude et la guidée des pieux prédécesseurs, comme Ali radiallahu anhu, il allait visiter les tombeaux et il disait « Ya ahl al-qubur, akhbiruna ankum aw nukhbirukum » أما الخبر من قبلنا فأموالكم قد اقتسمت ونساؤكم قد تزوجنا ومساكنكم قد سكنها قوم غيركم أما والله لو استطعتم الجواب لقلتم لم نر زادا خيرا من التقوى. علي رضي الله عنه visiter les tombeaux et s'adresser à eux. Il leur disait: Ô vous habitants des tombeaux, informez-nous. Ou bien, nous, on va vous informer. Quant à votre fortune, elle a été séparée, elle a été partagée. Et quant à vos épouses, elles se sont remariées. Et quant à vos demeures, d'autres personnes que vous les occupent aujourd'hui. Par Allah, si vous aviez pu me répondre, vous auriez dit, nous ne voyons aucune provision meilleure que la piété. Pas d'argent, pas de femme, pas de maison. Parce que dans le qabr, ce qui te sert, c'est ta taqwa. Et Rabi' ibn Khufaym, rahimahullah, avait creusé dans sa maison un trou. Et chaque fois qu'il trouvait de la dureté dans son cœur, il y passait la nuit. Est-ce que vous pensiez qu'il dormait? Là. Il répétait, « Qawluhu ta'ala, Rabbi irji'ouni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Rabbi irji'ouni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. » Jusqu'à l'fajr. Le verset où Allah ta'ala, il parle des gens qui meurent et qui souhaitent revenir sur terre et qui invoquent Allah en disant, « Ya Allah, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Et au matin, lorsque l'adhan al-fajr se faisait entendre, il se dirigeait vers la mosquée, il se parlait à lui-même et disait « Ya Rabi' laqad raja'ta fa'amal. Ya Rabi' laqad raja'ta fa'amal. Ya Rabi' tu es revenu maintenant. Alors vas-y, hub. » Et les histoires sont très nombreuses concernant les pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhi. Donc on est en France et visiter les cimetières, malheureusement, n'est pas une chose facile et aisée. Et quand même on peut le faire, on n'arrivera pas trop au même résultat. Alors, il y a une option supplémentaire qui se propose à nous et qui s'offre à nous. C'est le lavage des morts. Le lavage des morts. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, j'ai quelques années fait cette chose-là. Et avant de rentrer dans le détail, différents éléments à citer. Premièrement, l'importance pour le musulman de savoir laver les morts. Car tu ne sais jamais de quoi est fait le lendemain. Wama yudrik, peut-être que tu te retrouveras quelque part où tu seras le seul musulman et qu'il y aura un musulman à laver. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme al-ruqya. Al-ruqya kazalik. Beaucoup de gens, ils t'appellent, fais-moi ruqya, fais-moi ruqya, fais-la toi à toi-même. Tu sais lire le Fatiha, tu peux faire ruqya. Mais il faut apprendre ces choses-là. Ne pas le faire n'importe quand, bien entendu. Et je pense que le frère Abbas vous a bien précisé cela. Pour en revenir au lavage des morts, il y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de parler des défauts des gens que l'on a lavés. Car on les voit dévêtus de vêtements. وَأَوْضَعُونِي عَلَى الْأَلْوَاحِ مُمْطَارِحًا. Je ne me souviens plus. Al-Muhim, dans la fameuse Qasida Raïs al-Gharib, c'est bien à déterminer comment ça se passe, les étapes de cette action-là. On ne doit pas citer les défauts des gens que l'on a lavés, car on les a vus donc dénués de vêtements, bien entendu, toujours en faisant attention à ce que leur aura soit couverte. Cependant, dans le but
de prendre des leçons et de s'exhorter. On a le droit de faire référence, en gros, sans rentrer dans le détail, à ces événements-là et ces anecdotes. Je vais donc vous parler de quelques fois où j'ai été amené à laver des musulmans. Déjà, premièrement, il faut mettre de côté tout ce qui est ressentiment et tout ce qui est peur déplacée de voir un mort ou de toucher un mort. J'ai lavé des vieux, j'ai lavé des jeunes, j'ai même lavé un bébé qui est mort à la naissance. Quand on veut rentrer dans ce domaine-là, il ne faut pas s'y lancer tout seul, bien entendu. Alhamdoulilah, un frère qui avait l'expérience dans ce domaine m'a plus ou moins formé. Et que je l'accompagnais donc, et je lui donnais un coup de main jusqu'à ce que je les lavais tout seul. Quelques-uns. Donc, j'ai lavé des personnes accidentées. Mais accidentées, donc mortes d'un accident, mais vraiment à un degré très élevé. Notamment des motards. Et là, j'en profite pour adresser un conseil aux frères motards. Je ne vais pas leur interdire de faire de la moto. Mais je les pousse à faire extrêmement attention et à ne pas faire les fous sur la route. Hatta, si je ne me trompe pas, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a fait une fatwa là-dessus. Il a dit que celui qui dépasse les limites de vitesse imposées et qui conduit dangereusement, s'il meurt suite à un accident causé par cela, il est considéré comme un suicidé. Il est considéré comme quelqu'un qui a mis fin à ses jours intentionnellement. Donc on nous appelle, je me rappelle c'était un jeudi que je n'oublierai jamais d'ailleurs. Parce que ce jeudi-là, j'avais lavé deux personnes, une le matin et une le soir. Je vous parle du matin et le soir, j'y reviendrai après, Inch'Allah. Donc on nous appelle, on nous dit c'est un motard qui s'est fait percuter par une voiture et qui a fait quelques mètres dans les airs pour atterrir par terre. Ça s'arrête là ? Ça s'arrête pas là. Comme c'était sur la route, il y avait des voitures qui passaient par ici et par là. Et bien en atterrissant, il s'est fait écraser la tête par une voiture. Quand on arrive à l'hôpital, c'était à Viltaneuse dans le 93, pour ceux qui connaissent. L'infirmier à la morgue nous prévient que c'est pas beau à voir. Et là d'ailleurs, une petite remarque. Si vraiment vous voulez être motivé pour quitter ce pays au maximum, eh ben allez visiter les morgues. Quand vous visiterez les morgues et que vous verrez comment ils traitent les morts, alors là, je vous assure que vous ne voudrez pas mourir ici. Un boucher dans une boucherie a l'air d'avoir plus de miséricorde qu'eux envers la viande qu'il coupe en morceaux. On arrive là-bas. L'infirmier, il vient nous dire, allez dans telle salle. Donc on arrive, on se prépare. Et il nous ramène le corps. Il était tout habillé. Et il avait la tête, donc toujours sur son corps, mais cachée par un sac poubelle. Lorsqu'il nous l'amène, le frère qui m'a donc formé a pris l'initiative de voir dans quel état était la tête. Moi j'étais derrière, j'ai pas vu au début. Il s'est mis comme ça, il a levé le sac et d'un coup il a rebaissé. Et étrangement, même si ce frère avait plus d'expérience que moi, il était plus sensible à ce genre de scène. Et moi qui, d'habitude, je ne vais pas dire je suis effrayé ou là, on va plus dire je suis émotif, étrangement, je n'ai pas été effrayé. Donc il n'a pas supporté la vue, il m'a dit fais attention, c'est spécial. Mais comme il fallait le faire, on l'a fait. Alors j'ai enlevé le sac et j'ai vu sa tête.
je ne peux pas vous la décrire, mais juste imaginez une tête humaine sur laquelle une roue de voiture, elle passe. La boîte crânienne, elle explose. Il n'y avait plus une trace du visage. Tu ne pouvais pas voir d'œil, ni de nez, ni de bouche, rien du tout. À part quelques dents vers là, peut-être. Des cheveux ici, des cheveux là. Première étape, le déshabiller. En le déshabillant, vous voyez les motards, ils s'habillent lourdement. Une veste en cuir et beaucoup de vêtements. C'était un jour, il ne faisait pas très chaud. Et subhanallah, en lui enlevant son t-shirt, je trouve un pendentif Bouddha. Allahu Akbar. Ça m'a fait peur. Je suis, ah, c'est un musulman, celui-là ou pas? On a eu un doute. À un moment, j'ai appelé Cheikh Bazmoul, hafidahullah, à ce sujet. Je lui fais, Cheikh, des fois, on nous ramène des gens à Zahir. On ne sait pas si c'est des musulmans, on ne sait pas s'ils faisaient la prière et tout ça. Cheikh, il nous a répondu, s'il est de famille musulmane, là, on ne demande pas, on prend, reste sur le Asl, c'est que c'est un musulman. Cependant, là, quand j'ai vu le petit Bouddha, j'ai eu un doute. Alors, on s'est renseigné et il était d'une famille musulmane. Mais là, quand même, j'étais perplexe. Et subhanallah, en lui enlevant sa veste en cuir, on l'a trouvé dans sa poche intérieure. Vous voyez le petit Coran vert de Juz'amma en phonétique? Il avait ce petit Coran dans la poche à l'intérieur. Et quand on a demandé à sa famille, on nous a dit qu'il venait juste de reprendre la prière. Comme quoi, les frères, la tahkumu bi-dhahir. Ne jugez pas les apparences. Il avait ce petit Coran avec lequel moi j'ai appris Juz'amma. Et je pense que vous aussi, Inch'Allah. Si vous saviez pas lire l'arabe. Moi j'ai appris 7 hizb en phonétique. J'étais un flemmard, je voulais pas prendre l'arabe. Ou du moins c'était pas dans mes intentions. Et comme c'est connu chez les frères en général, on prend la facilité. Mais c'est une catastrophe la phonétique. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Alors si vous voulez un conseil, jetez-la loin derrière vous la phonétique. Al-Muhim, ça nous a rassurés, ça nous a apaisés. On continue donc de le déshabiller. Et donc on couvre ses parties intimes. Et une remarque, c'est que malgré l'intensité de l'accident, son corps était presque intact. À une remarque près, c'est que il avait les os de chaque articulation qui sortaient. C'est-à-dire qu'il avait les os du coude qui sortaient dans ses deux bras et les os des tibias qui sortaient de ses pieds. Enfin, de ses mollets. Visible, tu les vois. Alors, comme vous le savez, quand on fait le ghusl, on commence par l'istinja. Donc la toilette intime. Et comme vous le savez aussi, quand on meurt en France, on a droit à un certain séjour dans leur frigo. Et les corps, ils sont congelés quand on nous les ramène. Et la sunna, c'est de faire asseoir le mort et de presser sur son ventre pour faire sortir ce qui reste, pour pouvoir le nettoyer. Mais c'est impossible avec un corps congelé. Si tu le manipules un peu trop, tu risques même de lui casser quelque chose. Alors on essaye d'appuyer comme on peut, mais c'est très difficile. On lui fait l'istinja. Et dans le ghusl, qu'est-ce que tu fais après? Bah, tu le laves entièrement. Nous, on faisait le wudu après. Ala ahad al qawlain, soit tu fais le wudu juste avant, soit tu fais le wudu après. Alors on commence par le haut de la tête. Et vous vous souvenez, la tête, il ne lui restait pas grand-chose. Et donc le frère avec qui j'étais n'a pas pu lui laver la tête. Alors j'ai donc pris cette initiative. Et sans exagération, mes frères, le peu de cheveux que j'ai réussi à toucher, chaque fois que j'enlevais mes mains, bien sûr, avec des gants, j'avais des morceaux de crâne dans la tête, dans les mains. Des morceaux de son crâne qui me restaient dans les mains. On a fait ce qu'on a pu, le reste on a fait tayammum. Et on l'a lavé. On lui a mis le kafan. Et il est parti. Il est parti au bled. Et là, je ne comprends pas. Ces gens qui nous critiquent, qui
qui nous disent, pourquoi vous passez votre temps à vouloir quitter ce pays? Alors je leur réponds, et pourquoi vous le quittez vous quand vous mourrez? Pourquoi vous faites des quêtes? Quand on entend un fouet, il est mort, Allah, il est mort, pour faire une quête, pourquoi? Pour le renvoyer au bled. Hajib. Pourquoi tu choisis le bled comme lieu pour mourir et pas comme lieu pour vivre? Shay gharib. Shay wallahi gharib. Une autre fois, ça c'est une anecdote qui nous permet de voir plusieurs choses. Dire, toujours on a dit, fa'atabiru ya ulil absar. L'ibra, c'est prendre une morale. Alors c'est l'histoire d'un homme, un père de famille, qui a laissé sa famille au bled, un Marocain. Pendant des années, il a vécu en France, où il travaillait dans une usine de voitures. Et il faisait des allers-retours au bled pour aller voir sa famille. Son fils, qui venait d'avoir 18 ans, est venu en France pour travailler avec son père dans la même usine. 18 ans. Et ce jeune homme, qui venait juste d'arriver du bled, trois semaines après qu'il ait commencé à travailler dans cette usine, il travaillait de nuit. Il habitait à Creil. Creil qui est assez loin de la ville où cette usine était. Alors son copain qui conduisait, il le presse, il dit « Dépêche-toi, dépêche-toi, vous rentrez, je suis fatigué, je vais dormir. » Alors il monte dans la voiture, et apparemment il n'avait pas de ceinture. Et en roulant, à Zahir, je ne suis pas sûr à 100% de l'exactitude de ce qui s'est passé, mais le conducteur s'est endormi. Et ça, il suffit pas de longtemps hein, pour que quelque chose arrive. Et à une certaine vitesse, en perdant connaissance, ils ont percuté une voiture qui venait dans le sens inverse de plein fouet. Comme ce jeune de 18 ans n'était pas avec sa ceinture, il a traversé le pare-brise. Attendez, vous voyez les petits plots en béton qu'on a sur le côté sur les trottoirs? Il est tombé dessus la tête la première. Il est tombé dessus la tête la première. Prends un vase en argile et mets une pêche dedans. Regarde le trou que ça va faire. Et tu vas voir l'intérieur du vase. Ben, sans exagérer, c'était la même chose. Son cerveau est resté sur la route. On nous appelle. Il faut le laver. Alors pareil. On arrive. Déjà, subhanallah, quand tu arrives, avant qu'on te ramène le corps, le cercueil, il est déjà présent. Et la plaque avec le nom et la date de naissance, ils sont déjà présents aussi. C'était marqué 1985-2007, je crois. Non, pas 2007. Il avait 18 ans. C'était en 2007. Avant, 2000, c'était en 2004. 85, c'est pas 86. Taïb, subhanallah. Voilà, je regardais la plaque juste avec la date de naissance et de mort. Allahu Akbar, 1986-2004. C'est pas que ça fait pas 18 ans, si 18 ans. Et voilà, ça fait réfléchir. Tu crois que ce jeune, ça faisait que 3 semaines qu'il venait du bled. T'as vu les gens du bled, comment ils sont pleins de rêves et d'espoir quand ils arrivent dans les pays comme ceux-là? Je vais faire et je vais avoir de l'argent, je vais acheter une voiture et je vais acheter une maison pour ma famille, et je vais retourner au bled et je serai content, et kada. 3 semaines. Et à 18 ans, tu te vois mourir, toi? Là, blax. Tu dis ça, j'ai toute la vie devant moi. Mais c'est pas toi qui décide. La mort, elle vient sans prévenir. Tu projettes. Je vais me marier, j'aurai 4 enfants et je vais m'acheter une BM avec un F6 ou là je ne sais quoi. Et 2 jours plus tard, tu meurs. Et comme tout à l'heure, on a entendu le hadith d'Ibn Omar dans Sahih al-Bukhari, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Ibn Omar radiallahu anhuma, il disait, خذ من صحتك لمرضك ولحياتك ومن حياتك لموتك وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin.
et prends de ta santé pour les jours où tu seras malade et de ta vie pour lorsque tu vas mourir. 18 ans. On nous l'amène comme ça, pareil. Très difficile. Très difficile à voir. Le visage était plus ou moins, la tête était plus ou moins intacte et un trou. Un trou et la tête à l'intérieur vide rien. Alors, lui était déjà déshabillé. Son père y rentre. Son père y rentre. Je vais le voir. Je fais ramener ma tranche. Je voulais lui épargner le fait de voir son fils comme ça. Imagine-toi, subhanallah. Il est au bled, il est en France depuis des années. Sa famille, elle est dans un autre bled depuis qu'il les a quittés. Il ne voit ses enfants que quelques jours, voire quelques semaines dans l'année. Et lorsque son fils, il le rejoint en France, 3 semaines plus tard, il le perd. Jamais. Saïd. Oula. حسيتي بانك بغانيش تصبر احسن ما تشوفوش فعمي سي دور سي tu penses que tu ne vas pas patienter vaut mieux pas que tu le vois il a dit la ولدي بغيت نشوفه mais c'est mon fils je veux le voir alors je l'ai laissé من انا حتى منعه من ذلك qui suis-je pour lui interdire cela il a avancé comme ça et s'est mis devant son fils il l'a regardé longuement sans faire un mouvement après il s'est baissé. Il lui a embrassé ce qui lui restait de front. Et il lui a dit « Allah rabbi alayka waldi ». Après, il s'est relevé comme ça. Je l'ai regardé. Il a fait « Alhamdulillah rabbil alamin ». « Radhina bi aqdarika ya rab ». Allahu Akbar. Quand il a embrassé son fils, il a dit « Qu'Allah soit satisfait de toi, mon fils ». Et ensuite, il a regardé vers le ciel comme ça. Il a dit « Louange à toi, ô Seigneur des mondes. Nous sommes satisfaits de ta destinée, de la destinée que tu nous as écrite. Allahu Akbar. Et tu le vois, Balek, dehors. Tu ne vas même pas te retourner. Comme on les appelle, nous, des petits moustachus, on les appelle ces gens-là. Mais peut-être qu'en faisant ça, comme dans le hadith, fait ma'naha an Allah tabaraka wa ta'ala, il demande aux anges, après qu'il ait pris l'âme d'un des enfants de son serviteur, comment mon serviteur a-t-il réagi? Istarja'a. Il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et il a patienté. Alors Allah, il leur dit, construisez-lui un palais au paradis et appelez-le Baytul Hamd, la demeure de la louange. Et c'est dans ces cas-là, mes frères, qu'on voit la vraie patience. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. C'est le choc. La vraie patience, c'est celle dont qu'on fait preuve lors du choc. Comme les gens, ils font, ils se tirent les cheveux, ils hurlent, ils crient. Et après, ils disent Alhamdulillah, ou bien ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hada laysa bis-sabr. Ce n'est pas de la patience, cela. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux qui lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils disent إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous sommes à Allah et à lui nous retournons. Voici ceux sur qui il y a les prières de ton Seigneur, ou les صلوات من ربهم نعم ورحمة et sa miséricorde. وأولئك هم المهتدون. Et voici ceux qui sont bien quittés. جعلنا الله وإياكم منهم. 18 ans, et il part, et son livre d'action se ferme, et il va dans sa tombe. Il est venu du bled en avion, vivant, et 3 semaines plus tard, il repart au bled en avion, dans une boîte. Ya ghafilan anil amal, wa gharrahu toulul amal, al mawtu ya'ti baghtatan, wal qabru sunduqul amal. Ô toi qui es insouciant dans les actions que tu dois accomplir et qui a été trompé par la longue espérance, la mort arrive sans prévenir d'un seul coup et le tombeau est la boîte dans laquelle sont tes actions. 18 ans. Ne dis pas que ça n'arrive qu'aux autres.
Est-ce que quelqu'un a déjà connu l'immortalité ici-bas? Si quelqu'un aurait dû la connaître, ça aurait été les prophètes et les messagers. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et nous n'avons pas donné l'immortalité à quelqu'un d'autre avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ils vont rester vivants? Là. Al-Maut. Et lorsqu'on mourra, on retrouvera nos actions. Vous savez, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Les vraies actions qui comptent sont celles que l'on fait à la fin de notre vie. Sont celles sur lesquelles on meurt. La fin, c'est ça qui compte. Et comme Allah Ta'ala a dit, ou la, comme dans le prophète dit dans le hadith, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mata ala shay'in bu'itha alayhi. Celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité dessus. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il disait, لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. الكريم يعني الله تبارك وتعالى le tout miséricordieux et le généreux par excellence a fait que celui qui vit sur une chose meurt dessus et que celui qui meurt sur une chose sera ressuscité dessus. Ibn al-Qayyim رحمه الله dans son magnifique livre qui se nomme الداء والدواء nous parle de l'khatima. L'khatima, c'est la fin. Est-ce qu'elle sera bonne ou est-ce qu'elle sera mauvaise? Il y a des choses que l'on voit des fois fi qa'at al-ghusl ou al-taghsil. On ne peut pas se baser dessus pour dire quoi que ce soit. Abadan. C'est pas parce qu'on voit des choses des fois qu'on peut se baser dessus pour dire ahada min ahli al-jannati wa hada min ahli an-nar. La. Aqilatu ahli sunnati wal jama'a annahum la yashhadun li ahadin min ahli al-qibla mata min ahli al-qibla bil jannati aw bin nar. La aqilatu ahli sunna wal jama'a, c'est qu'ils ne disent pas de quelqu'un faisant partie de la communauté musulmane qu'il est au paradis ou bien qu'il est en enfer. Sauf ceux qu'Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont informé qu'ils étaient au paradis ou en enfer. Comme Abu Lahab dans le Coran, Allah Ta'ala dit bien qu'il est en enfer. Mais vous me direz, il fait partie de notre communauté. Ou bien les 10 qui sont promis au paradis dans le hadith, Abu Bakr fil Jannah, wa Omar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Sa'd fil Jannah, al hadith. Il y a d'autres sahabi ou bien sahaba qui sont au paradis, comme on le sait d'après le prophète alayhi salatu wasalam. Min ghayriha ula la yajuzu li ahadin an yaqula fulan fil janna aw fulan fil nar. En dehors de cela, il n'est permis à quiconque de dire qu'un tel il est au paradis ou un tel il est en enfer. Min haythu at-ta'yin, yani dans la détermination. Quant au umum, en général, yuqal al-mu'minuna fil janna wal kuffaru fil nar. En général, on dit les croyants ils sont au paradis et les mécréants sont en enfer. Mais Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Adda ou Addawa, dans le chapitre relatif à la bonne fin et à la mauvaise fin, nous ramène quelques anecdotes de personnes de qui on a vu des choses faisant peur. Et comme on dit aussi, narju lil muhsini wa nakhafu ala al musi. On espère pour le bienfaisant et on a peur pour le mauvais. Une fois, je vais à un hôpital. Il pleuvait. On arrive et on nous met dans une salle minuscule. C'est la première fois qu'on nous mettait dans une salle comme celle-ci. On attend. Le mort, il arrive. C'était quelqu'un d'un certain âge, assez vieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, il avait le nez coupé. Il n'avait pas de nez. Apparemment, il avait un problème respiratoire. Il avait un pacemaker. Alors, on commence. C'était une petite pièce. Elle n'était pas aérée. Il faisait extrêmement chaud. On commence à l'estimer, d'appuyer sur son ventre pour faire sortir
Et subhanallah, c'est sorti par sa bouche. Alors, on se regarde, le frère et moi, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie comme on peut, ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'on ait été obligé de mettre du coton dans sa bouche pour arrêter que ça coule. Une odeur insupportable est sortie. Insupportable. Et comme je vous l'ai dit, une petite pièce, pas d'aération. On le lave, c'était très difficile. Il y a des gens, subhanallah, qui peuvent être assez corpulents, mais qu'on manipule avec une facilité étonnante. D'autres, qui peuvent être fins et minces, et qu'on a beaucoup de mal à bouger. On sent une lourdeur, mais spéciale. Et celui-ci faisait partie de cela. On avait extrêmement du mal à le manipuler. On a fini tant bien que mal à le laver. Et lorsqu'on l'a enveloppé dans son linceul, et qu'on allait prier sur lui sur place, on a essayé de mettre sa tête vers la Qibla. Et on n'a pas réussi. Chaque fois qu'on lui mettait la tête vers la Qibla, elle revenait automatiquement de l'autre côté. Une fois, deux fois, trois fois. On a dit réel, Inch'Allah. Le frère, il a mis un coussin pour bloquer la tête. Elle est revenue un peu, mais pas jusqu'à l'autre partie. Sa famille nous ont fait, entre guillemets, un cinéma digne des cinémas maghrébins lorsqu'il y a une mort. Hein? Ce qu'on appelle dans l'islam an-niyaha, la lamentation, qui fait partie des grands péchés. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, ithnani fi ummati min amri al-jahiliya. An-niyahatu ala al-mayyit wa al-ta'nu fi al-ansab. Il y a deux choses dans ma communauté qui font partie de ce qu'il y avait avant l'islam. Les lamentations sur le mort et le fait d'insulter ses ancêtres. Et à notre hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, qu'al-na'iha, celle qui se lamente, si elle ne se repent pas de ce qu'elle a commis comme action, elle portera un jilbab en feu le jour du jugement. Et tu as beau leur parler, ils n'écoutent pas. Comment est-ce que tu veux parler à quelqu'un qui est en train de se lamenter sur quelqu'un qui vient de perdre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une femme dans un cimetière qui se lamentait sur un mort. Il lui a dit, ya amat Allah, ittaqillaha wasbiri. Il lui a dit, ô servante d'Allah, crains Allah et patiente. Elle ne l'a pas regardé, elle lui a dit, innaka lam tusab bima asubtu bih, aw usibtu bih. Elle lui a dit, tu n'as pas été touché par ce qui m'a touché. Yani, elle n'a pas prêté attention à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été dure dans sa réponse, mais elle ne savait pas que c'était le prophète qui lui parlait, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il ne lui a pas répondu. Il l'a laissé. Et il est parti. Un peu plus tard, les gens ont dit à cette femme, tu as parlé au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, elle a été le voir pour s'excuser. Et là, il lui a répondu, innama sabru inda sadmatil oula. La patience a lieu lors du premier choc. Ça, c'est de la patience. Là, je vous ai donné un exemple de... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça le sou al-khatima, mais d'une scène qui ne laisse pas indifférent. Je reviens au fameux jeudi où on a lavé le frère motard qui s'est fait écraser. Et l'après-midi, donc, on nous appelle pour une autre janaza, pour un autre tarsil, qui avait lieu donc à Villepinte, pas loin de chez moi, dans 93. J'arrive, le corps il n'est pas encore là. Je vais faire les ablutions. Je reviens, et pendant mon absence, le corps a été ramené. C'était un jeune. Il ne va pas avoir aussi plus de 20 ans. Je le regarde comme ça. J'ai l'impression de le connaître. Mais je ne le reconnais pas. Alors, je suis perturbé, mais je continue. Un peu plus tard, son père, il arrive. On n'a pas encore commencé le lavage.
Je vois son père, je vais le voir, je fais ta'ziyah, yani les condoléances. Ahsan Allahu azaak wa azzama Allahu ajrak. Et il parle au téléphone avec son autre fils. Et je l'entends répéter Abdelkarim, Abdelkarim, Abdelkarim. Je réfléchis, je regarde le frère mort, et paf, je me rappelle. Je me rappelle de ce fameux Abdelkarim que j'avais rencontré il y a de ça, maintenant, peut-être 12 ou 13 ans, dans une mosquée. Un petit jeune de cité qui venait juste faire la prière. Plus tard, j'ai fait la khutba dans une mosquée à Blanc-Ménil, dans le 93 toujours, et il vient me voir. Il me fait, tu te souviens de moi? Je lui dis, ton visage, il m'est pas familier. Il m'est familier, na'am. Il me dit, c'était moi qu'on avait vu, tu m'avais vu dans la mosquée telle. Je fais, mashallah. Et l'akh, mashallah, il portait la sunna. Et il me demandait des conseils, il voulait partir étudier au Yémen. Et je ne l'ai plus revu pendant quelques mois. Je ne pensais plus à lui. Et là, je le vois devant moi sur la table, mort. Je demande à son père, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Abdelkarim de Blanc-Ménil? Il me fait, tu le connais? Je lui fais, c'est moi, Soufiane, l'imam de la mosquée de Blanc-Ménil. Il me dit, c'est Soufiane? Il prend son téléphone, il appelle son fils. Il me dit, devine, je suis avec qui là? Il faut, je suis avec Soufiane, l'imam de Blanc-Ménil. Ah, il fait, tiens, il me passe son fils. Son fils, il me fait, Soufiane, comment t'as su qu'il était mort? Je lui dis, je l'ai pas su. Moi, je suis avec un frère, et on nous appelle quand il est janaza, j'y vais pour faire le rousl. Il m'a dit, subhanallah, juste avant de mourir, il m'a demandé de t'appeler pour que tu viennes le laver. Il m'a dit, il veut que ce soit toi qui le lave, et il veut que ce soit toi qui prie sur lui. Alors je le regarde comme ça. Et on commence à le laver. Il avait un petit peu de barbe. Ici mon menton. Il était beau, mashallah. Wallahi, j'exagérerai pas si je vous dis que son visage resplendissait. J'ai demandé à son père comment est-ce qu'il est mort. Il m'a dit, subhanallah, j'ai demandé à son frère, il m'a dit, il est monté sur son scooter et il partait faire salat al-maghrib à la mosquée. Et son frère, il me dit, je l'ai quitté juste avant, et il a démarré, je l'ai appelé Abdelkarim, il s'arrête, il me dit quoi? Je lui ai dit, n'oublie pas de faire du'a al-rukub. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Alors il lui dit, barakallahu fik. Il l'a dit. Il met son casque, il roule un peu et il se fait taper par une voiture. À l'hôpital, il arrive à parler un peu et un peu plus tard, il meurt. Alors on l'a lavé. On a prié sur lui. Et comme ses prédécesseurs, il a pris le chemin pour le bled où il a été enterré. Rahimahullah. Wa ghafara bih. Vous voyez les frères ici, nous tous, je pense qu'on a l'intention, Inch'Allah, de partir, ne serait-ce que pour étudier. Je pense que les conseils avisés de notre cher frère Bouzeïd vous ont assez motivé pour cela. Et moi, si je peux vous rajouter une chose, c'est que la vie, elle n'est pas éternelle et qu'on peut faire plein de projets. Wallahi, si Rabbi Azza wa Jalla ne te laisse pas le temps, ben, tu ne les feras pas. Alors profite de ta jeunesse, profite de ta vie et ne remets rien au lendemain. Comme il disait Al-Hassan al-Basri rahmahullah, Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours, et lorsqu'un jour il te quitte, une partie de toi est partie. Une fois, et là, c'est un peu plus particulier parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Un frère qui habitait pas loin de chez moi, qui aimait beaucoup jouer au foot, comme tous les jeunes, qui venait juste de finir l'école et qui travaillait à l'aéroport quand il pouvait pour gagner un peu d'argent.
J'ai travaillé avec lui. J'ai joué au foot avec lui. C'était un ami, c'était un frère et aussi un ami. Ce frère-là, il a été touché d'une leucémie, un cancer du sang. Et il a donc été placé dans un hôpital particulier spécial pour qu'on puisse lui faire des dialyses. Et on venait le voir de temps en temps. Et c'est très dur de voir quelqu'un mourir à petit feu. Quelqu'un qu'on voyait courir sur les terrains de foot très rapidement. Et ce frère-là, il n'a pas pu aller faire une umra. C'était son plus grand rêve de faire une umra. Ou bien de voir la Kaaba. Et nous, alhamdoulilah, on a pu y aller avant et on lui parlait de la Kaaba et de ce qu'on ressent quand on voit la Kaaba. Et lui, il nous regardait comme ça avec des grands yeux. Et je me rappelle, il disait « Au top !» Il y a eu des hauts et des bas dans sa maladie, mais vers la fin, c'était irrémédiable. Pas longtemps avant qu'il ne meure, on va à l'hôpital. Il était devenu très maigre. Il était sous assistance respiratoire. Et on n'a pu rentrer que un par un. Avec des protections et des trucs stérilisés pour pas qu'ils soient touchés par un microbe. Parce qu'ils perdent leur globule blanc, les gens qui sont touchés par cette maladie. Et n'importe quel microbe, il peut les tuer. Il était tout jaune, subhanallah. Tout. Et la sunna, quand vous vous dites à un malade, c'est de l'encourager, de le motiver, de lui faire oublier qu'il est malade. C'est pour ça qu'on lui dit, là, bah, stahour, inshallah. Il n'y a pas de mal, c'est une purification si Allah le veut. Mais qu'est-ce que c'est dur, wallah. D'essayer de le réjouir, de lui faire oublier la maladie. Je me suis assis à côté de lui. Il était endormi. Je lui ai pris la main. Il s'est réveillé. Il m'a dit, Sofia. J'ai fait, ça va, Amine. Il s'appelait Amine. Après, il se met à pleurer. Il me fait, Sofiane, j'ai peur. Il dit, Sofiane, j'ai peur. Mets-toi à sa place. T'as à peine 20 ans. T'es sûr d'aller à l'hôpital depuis des mois. Les docteurs, ils disent qu'il te reste quelques jours, voire quelques semaines. Tu sais que tu vas mourir. On sait tous qu'on va mourir ici. On n'y pense pas parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Mais là, quand tu sais que dans quelques jours, peut-être, c'est très probable que tu meurs. Wallah, c'est normal d'avoir peur. Comme elle disait Aïcha radiallahu anha, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. » فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أذلك الموت فكلنا نكره الموت. Quand il a dit عليه الصلاة والسلام celui qui aime rencontrer Allah, Allah il aime à le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah il déteste à le rencontrer. Alors عائشة رضي الله عنها a dit يا رسول الله nous, si c'est la mort, on déteste tous la mort. Qui aime la mort ici? Qui aime à mourir? Quand il a répondu عليه الصلاة والسلام il a dit non. On dit quand le croyant il meurt, les anges de la miséricorde viennent et il lui annonce des bonnes nouvelles, alors il est réjoui et il aime à rencontrer Allah, alors Allah il aime à le rencontrer. Quant au mauvais, lorsqu'il va mourir, les anges du châtiment viennent et ils lui annoncent ce qu'il attend comme torture et châtiment, alors il déteste à mourir et à rencontrer Allah, et Allah il déteste à le rencontrer. Il me dit Amin, je lui prends la main, il se met à pleurer, il me dit Soufiane, j'ai peur. Alors, un effort plus ou moins de ma part surhumain pour retenir mes larmes. Et je lui dis, mais non, Amin, Inch'Allah, tu vas guérir et on ira faire une umra ensemble, comme tu le voulais tant. Il m'a dit, Inch'Allah. Il m'a dit, Inch'Allah. Un peu plus tard, donc nous on part. Et un jour, je reçois un SMS d'un frère qui le connaissait avec nous et qui m'annonce qu'il venait de mourir.
Alors on va à l'hôpital et c'est nous qui nous sommes occupés de son lavage. Et son père, il m'a dit qu'il était à son chevet avant qu'il ne meure. Et il lui lisait du Coran. Et lui, il rêvait. Et il parlait en dormant. Et il disait à Omar, Omar c'est l'autre frère très proche de lui aussi. Il disait, Omar, Omar, dépêche-toi, on va arriver en retard. On est à la Mecque. Et l'évêque, il était à la Mecque. Et l'évêque, il était à la Mecque. Et que c'était l'heure de la prière. Et il disait aux frères de se dépêcher pour aller prier devant la Kaaba. Son père, il me raconte, il me dit qu'il lisait du Coran et qu'il est arrivé au verset. والله تعالى يدي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى يا أيتها النفس المطمئنة إيش هي ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى صفيسي في أيما imagine toi ton fils أخي. Vous qui avez des enfants ici. Imagine, tu vois ton fils mourir en quelques mois, perdre sa force, être incapable de bouger tout seul. Perdre son poids, changer de couleur. Et imagine-le en train de mourir à côté de toi. Quelle épreuve ça doit être pour un père d'assister à la naissance de son fils et d'assister aussi à sa mort. Quand il nous dit, alayhi salatu wassalam, salatu da'awatin mustajabat, la shakka fihin, da'awatul mazloum, wa da'awatul musafir, wa da'awatul walidi ala waladi. Il y a trois invocations qui sont obligatoirement exaucées, il n'y a aucun doute là-dessus. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du parent pour son enfant. Et on entend aujourd'hui des gens sans aucun scrupule qui invoquent la mort pour leurs enfants. Ce sont ces mêmes personnes qui, lorsque leurs enfants ils meurent, se roulent par terre et crient et hurlent. Vos enfants... Invoquez Allah Ta'ala pour eux. Et même s'ils vous font du mal, invoquez Allah Ta'ala pour eux. Allah Ta'ala, il accepte vos invocations pour vos enfants. Alors s'il vous a fait du mal, demandez à Allah Ta'ala de le guider et de le ramener vers la droiture. Ne demandez pas à Allah Ta'ala de le punir et de l'éloigner de vous. Vous serez les premiers à en souffrir. Vous serez les premiers à en souffrir. On arrive à l'hôpital et une dernière fois on voit Amine. Je n'exagérerais pas si je disais que le peu de temps où j'ai réussi à le laver, je l'ai lavé avec mes larmes. C'était très difficile, wallah. Ici, il y a ce lien très fort qui nous unit. C'est l'iman, la foi. Elle a fait qu'on est tous des frères. Nama al-mu'minuna ikhwa. Et on s'aime. Peut-être même des fois on aime nos frères plus que certaines personnes de nos familles. Shafi'i rahimahullah disait: Mujalasatul ikhwan ahabbu ilayna min mujalasatil ahli wal wildan. Li'anna al-ahla wal wildan yudhakkirunana bid dunya wal ikhwan. Être en compagnie de nos frères nous est préféré à la compagnie de nos femmes et de nos enfants. Car lorsqu'on est avec nos femmes et nos enfants, ils nous rappellent ce bas monde. Et lorsqu'on est avec nos frères, ils nous rappellent l'au-delà. Omar radiallahu anhu, une fois, il a pensé à un de ses frères avant d'aller dormir.
Il a pensé à lui tellement fort qu'il n'a pas cessé de se retourner sur sa couche jusqu'à ce que l'adhan de l'Fajr se fasse entendre. Il n'a pas dormi. Il a fait la prière et lorsqu'il finit, il dit « Aïna Mu'ad ?»« Où est Mu'ad ?» Ibn Jabal, radiyallahu anhu. Mu'ad, il se lève, il dit « Ha ana ya amir al-mu'minin ?» Et Mu'ad, et Omar lui dit « Ta'al, ya Mu'ad ?» فوالله ما زلت أفكر فيك أتقلب على فراشي كالحبة على المقلاع. Il me dit, Mouad, viens, par Allah, je n'ai cessé de penser à toi à un point où je me retournais sur ma couche comme une graine sur la poêle qui est en train de frire. Alors Mouad, il va vers Omar radiallahu anhu, ils se prennent dans leurs bras en pleurant. Tous ici, on a des frères qu'on apprécie plus que les autres. Ça, c'est une chose naturelle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, ya Mu'adh, inni la uhibbuk. Mu'adh, il a dit, je t'aime. Les sahaba entre radiallahu anhum aussi. Comme cette histoire avec Sa'd ibn Rafi', si je ne me trompe pas, tu me corriges à Kamel. Kif? Ibn Rabi', Sa'd ibn Rabi', radiallahu anhu, le Médinois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis avec Abdurrahman ibn Auf, qui venait de la Mecque, juste après la Hijra, et il a demandé donc aux Médinois de fraterniser avec les émigrés de Mecca. Alors Sa'd ibn Rabi', il dit à Abdurrahman, radiallahu anhu, il lui dit, j'ai deux maisons, je t'en offre une. J'ai deux femmes, choisis celle qui te plaît, je la divorce et prends-la comme épouse. Si c'est pas l'Ukhuwa qui peut te pousser à faire une telle chose, c'est quoi? C'est quoi? Amin, qui nous a accompagnés à la mosquée, qui apprenait un peu le Coran comme il pouvait, avec qui on a passé des bons moments, avec un ballon, ou autre, on le voit après qu'on ait prié sur lui. On porte son cercueil, on le met dans le véhicule qui accompagne le cercueil à l'aéroport et on le voit partir. Et il part. Et on n'a plus jamais revu Amin. Rahimahullah wa ghafara lahu. Al-Muhim, mes frères. Si vous voulez vivre des expériences qui, je pense, seront inoubliables, alors, si vous le pouvez, bien entendu, participez à ce genre de choses. On a trop besoin, mes frères, wallah, de choses qui ravivent le cœur. On a trop besoin, wallah, d'adoucir ce morceau de pierre qui nous sert de cœur. On parle du paradis, on parle de l'enfer, on parle du jour du jugement, on parle de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les gens devant toi, ils sont impassibles. Aucune émotion n'est visible sur leur visage. On ne sait pas quoi dire pour les toucher. On cherche, mais on n'a pas de résultat. Tu vas dans des mosquées, parfois pleines, et tu parles pendant une heure de l'enfer, il n'y en a pas un qui pleure. Il n'y en a pas un qui cache sa tête entre ses bras, comme les sahaba faisaient, radiyallahu anhum. Comme dans ce hadith, où Anas, radiyallahu anhu, il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait une exhortation très forte, dans laquelle il a dit, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. Il a dit, فوضع الصحابة رؤوسهم يعني خفضوها ولهم خنين.
Les sahaba radiallahu, pourquoi tu l'as dit alayhi salam dans cette exhortation? Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup et vous n'éprouveriez plus aucun plaisir avec vos femmes dans vos lits. Et vous courriez vers les hautes collines et vous implorerez Allah Ta'ala. Rien d'autre. Rien d'autre. Et les sahaba radiallahu anhum, ils entendent cela et ils baissent leur tête et ils gémissent. Ils gémissent. Ils pleurent. Nous, voilà. On ne comprend pas. En fait, si on comprend cette vérité douloureuse qui est la cause de notre insensibilité, cette vérité douloureuse, c'est qu'on s'est précipité à embellir notre apparence physique et on a mis de côté la purification de nos âmes. Cette vérité qui est qu'on a délaissé l'étude du Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on a délaissé le dhikr, qu'on a délaissé le rappel d'Allah subhanah. Vous n'avez pas remarqué, lorsqu'on a appris que lever ses mains dans les invocations pouvait être une innovation, alors la plupart d'entre nous ne lèvent plus ses mains. Vous n'avez pas remarqué, lorsqu'on a appris qu'utiliser le chapelet pour le tesbih chez certains savants était une innovation, on ne va pas aller faire par le tesbih. Ça, c'est vrai que ces éléments-là sont des innovations. Mais il y a toujours un moyen de les faire dans la sunna. Et même que lever ses mains dans les invocations n'est pas toujours une bid'a. Dans de nombreux passages ou endroits ou événements, c'est la sunna de lever ses mains. Au contraire, le prophète dit alayhi salatu wassalam fi ma rawahu at-Tirmidhi min hadith Ibn Umar radiyallahu anhu, inna Allah hayyun karim yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Allah ta'ala est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur à l'égard de son serviteur qui lève ses mains vers lui à lui rendre vide. Et dans notre hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي الحديث. Il a parlé d'un homme qui a fait un long voyage, qui est ébouriffé, plein de sable, yani sale, et qui lève ses mains vers le ciel et qui dit Ya Allah, Ya Allah. Et les savants qui expliquent le hadith, ils disent que tous les éléments qui sont cités dans cette partie du hadith sont des causes qui favorisent la réponse à l'invocation. Allah dit dans le Coran, Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous réponds. Et Allah dit dans le Coran, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors réponds-lui, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Et le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, l'invocation, c'est l'adoration. Et Allah dans le Coran, il a appelé du'a ibadah. Dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, ceux qui s'enorgueillissent quant à mon adoration. Donc Allah, il a appelé la du'a adoration dans ce verset. Et dans sourate Maryam, avec l'histoire de Ibrahim alayhi salam et son peuple, il a dit وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. Vas-y, وأعتزلكم, يعني je m'isolerai de vous, ainsi que ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'adorerai mon Seigneur. Et après, Allah dit, lorsqu'il s'est isolé d'eux, ainsi que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ça veut dire que invoquer autre qu'Allah, c'est l'adorer. والعياذ بالله. إذا الحديث بقوله جدي صلى الله عليه وسلم إذا لم يدعو, في معنى الحديث إذا لم يدعو المرء الله يغضب عليه. Lorsque quelqu'un délaisse l'invocation d'Allah, et ben Allah Ta'ala il se met en colère sur lui ou contre lui. Et le شاعر disait
الرحمن يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. Le tout miséricordieux se met en colère si tu arrêtes de l'invoquer, alors que le fils d'Adam, c'est quand tu l'appelles qu'il se met en colère. Toi, tu vas vers les gens. Et tu oublies le Seigneur des gens. Mes frères, et wallah, si on veut aller mieux, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse attention à cette moudra, à ce morceau de chair qu'on a dans, dans nos poitrines. هذه المودرة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Ce morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, tout le corps il est bon. Et lorsqu'il est mauvais, tout le corps il est mauvais. Tu sais que tu mourras un jour, voilà, Bouddh. Mais est-ce que tu te prépares pour ce jour-là? Ahlul Tariq, il rapporte qu'un poète qui répond au nom d'Al-Farazdaq, c'est un poète très fort dans la poésie, mais qui était connu pour dire des choses, yani, vulgaires. Et il avait un très mauvais comportement. Et les gens ne l'aimaient pas. Un jour, il a été à une janaza dans laquelle se trouvait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Les gens, quand ils ont vu Al-Hassan al-Basri et Al-Farazdaq, ils ont dit « Ijtama'a fi hadhihi al-janaza khayrun nas wa sharrun nas ». On a été réunis dans cette prière mortuaire, la meilleure des personnes et la pire des personnes, en faisant référence à Al-Hassan et à Al-Farazdaq. Et Al-Farazdaq, il a entendu ça, et ça l'a peiné et attristé. Alors un peu plus tard, quand les gens sont partis, il a été voir Al-Hassan, rahimahullah, il lui a dit, « Atasma'u ma qalu fi ?» Il a dit, « Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit de moi ?» Al-Hassan, rahimahullah, il lui a dit, « La ta'ba' bihim. » Je ne fais pas attention à eux. « Walakin qulli ya Farazdaq, maza a'adatta li mithli hadha al-yawm ?» Il lui a dit, ne fais pas attention à eux, au Farazdaq. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé pour un jour tel que celui-ci? Il a dit, Wallahi ma a'adattu li mathli hadha al-yawmi amala al-kathira, walakinnani a'adattu lahu la ilaha illallah mundhu sab'ina sana. Qala idhan fabshir. Il lui a dit, par Allah, je ne lui ai pas préparé beaucoup d'actions, mais je lui ai préparé la ilaha illallah pendant 70 ans. Alors Al-Hassan, rahimahullah, il lui a dit, dans ces cas-là, réjouis-toi. Ne fais pas attention à eux. Ne fais pas attention à eux. خَلِّ النَّاسِ يَتْكَلْمُوا فِيكَ مَعْلِشْ خَلِّهُمْ يَتْكَلْمُوا فِيكَ مَعْلِشْ لَيْسَ كَلَامُهُمْ هُوَ الَّذِي سَيَرْفَعُكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلْ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Laisse parler les gens. Ce ne sont pas les paroles des gens qui vont t'élever ou te rabaisser. Mais c'est Allah Ta'ala qui choisit qui il élève parmi ses serviteurs. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du Coran, « Inna Allah la yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. » Allah élève par ce livre, le Coran, des gens et il en rabaisse d'autres. Il en rabaisse d'autres. Dans notre hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Izan ya akhi, dis-toi que chaque jour qui passe est peut-être le dernier pour toi. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Al-Albani rahimahullah, dans As-Silsila As-Sahiha, il rapporte un hadith qu'il juge comme bon. Il disait comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait As-Suyat As-Sufuf, lorsqu'il alignait les rangs, il disait Sallu lillahi salata muwaddi'a. Priez pour Allah la prière de quelqu'un qui fait ses adieux. Et les savants donnent comme conseil pour celui qui veut être concentré dans sa prière, ils leur disent, faites chaque prière comme si c'était la dernière pour vous. Faites chaque prière comme si c'était la dernière pour vous. Et qu'à la fin du deuxième salam,
on va prendre votre âme. Si on réfléchissait comme ça, est-ce que vous pensez que nos prières seraient les mêmes? Est-ce que vous pensez que nos prières seraient les mêmes? Khubayb ibn Adi, radiallahu anhu, a été fait prisonnier par Quraysh. Et ils ont fait preuve de traîtrise pour pouvoir l'attraper. Ils l'ont emprisonné un certain temps. Et ceci était après la bataille de Badr. Et une femme qui l'observait pendant qu'il était en cellule a remarqué qu'il mangeait une grappe de raisin à une époque où il n'y avait pas un seul raisin à la Mecque. Ils l'ont enchaîné aux poignets et aux chevilles. Et ils lui ont mis un carcan autour du cou. Et avec des chaînes, ils l'ont tiré. Et derrière lui, les femmes et les enfants de la ville qui crient et qui lui jettent des pierres et qui l'insultent. Pourquoi? Parce que comme les Quraysh ont essuyé une défaite cuisante à Badr, ils se sont dit, on va se venger de Mohammed dans la personne de Khubayb. En gros, on va passer l'honneur sur lui. Ils l'ont tiré jusqu'à At-Tan'im. At-Tan'im, pour ceux qui ont été à la Mecque déjà, c'est là-bas qu'on va pour se remettre en ihram, dans le cas où on voudrait refaire une umrah. À la mosquée qu'on appelle Masjid Aisha, qui a quand même une certaine distance de la Mecque, ali de la Kaaba, du centre-ville. Alors imaginez-vous sur cette distance-là, Khubayb radiallahu anhu, qui est tiré avec des chaînes aux poignets, aux chevilles et au cou, et qui subit les insultes et les moqueries des gens derrière lui. Quand il arrive là-bas, il l'installe sur une planche où il le, entre guillemets, crucifie. Sallabou. Avant de le crucifier, il leur dit, si vous voulez me laisser faire rak'atayn avant de me tuer, alors faites-le. Alors ils l'ont laissé. Il a fait rak'atayn. Et Sa'd ibn Amir al-Jumahi, radiallahu anhu, qui n'était pas encore musulman à l'époque, c'est lui qui raconte l'histoire, il dit, j'ai jamais vu une quiétude pareille. Je n'ai jamais vu un apaisement pareil. Je n'ai jamais vu une concentration et un recueillement pareil. Il a fait rak'atayn, on dirait qu'il était tout seul avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il avait autour de lui des dizaines de personnes qui n'attendaient qu'une chose, c'était de le voir mourir. Et lorsqu'il finit le rak'atayn, il regarde les gens, il leur dit, Wallahi, si ce n'était pas le fait que vous pourriez penser que j'ai allongé la prière exprès par peur de la mort, je l'aurais fait encore plus longue. Je l'aurais fait encore plus longue. Il l'attrape et il l'allonge sur cette planche. Il l'attache et il le coupe en morceaux vivants. Il le coupe en morceaux vivants. Articulation par articulation. Il commence avec les doigts. Ils arrivent au poignet, le coude, l'épaule, l'autre main pareil. Et pendant ce temps, il est vivant. Et pendant ce temps, les gens écrivent, ah, c'est bien! Voilà, vous avez tué nos frères et nos pères et nos amis. Eh ben, on se venge maintenant. Et Abu Soufiane, qui n'était pas encore musulman, s'approche de lui. Pendant qu'il s'est fait torturer, il lui dit, Atuhibbu an takuna sahihan mu'afa fi ahlik wa muhammadun makanak. Il dit, est-ce que tu aimerais être chez toi en bonne santé et à l'abri du mal? Et que Muhammad, ton prophète, soit à ta place. Il a dit, ma uhibbu. أن أكون معافا في أهلي ومحمد يشاك بشوكة. Alors qu'il est en train de se faire couper en morceaux vivants, il a dit, je n'aimerais pas être chez moi en sécurité et que Mohammed soit piqué par une aiguille, soit piqué par une épine. Et là Abu Sufyan, il a dit, ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا لمحمد. Je n'ai jamais vu aimer quelqu'un aimer comme quelqu'un d'autre, comme les compagnons de Mohammed aiment Mohammed. Et il est mort ainsi, radiallahu anhu wa arda.
à notre compagnon, pendant une bataille, monter la garde avec un autre sahabi. Ils étaient deux nuits. Et ils se sont mis d'accord pour que chacun leur tour, ils montent la garde. Alors il lui a dit, écoute, comme on est que deux, toi tu dors une partie de la nuit, moi je vais veiller, et après je te réveillerai, tu prendras ma place. Il a dit d'accord. Et plutôt que de rester sans rien faire, comme ça aurait été le cas pour la plupart d'entre nous, il a fait rak'atayn. Et il y avait un homme parmi les mouchriquins qui a vu, je crois, sa femme se faire capturer pendant la bataille. Alors il a dit, je vais me venger des musulmans. Et il voulait tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est approché du camp, il s'est caché derrière un rocher, et avec son arc, il a vu un de ceux qui montaient la garde en train de prier. Alors il a sorti une flèche, il a visé, et il l'a touché en plein bras. Et le sahabi, pendant qu'il priait, il a enlevé la flèche, il l'a jetée et a continué de prier. Alors, l'homme, il comprend pas. Il dégaine une seconde flèche, et il le vise à nouveau, et il le touche. Et le sahabi enlève la flèche, il la jette, et il continue de prier. Alors il recommence une troisième fois, et une quatrième, et une cinquième. Et chaque fois, le sahabi, radiallahu anhu, il enlève les flèches et continue de prier. Mais le sang écoule. Et pendant que le sang écoule, on perd de ses forces. Alors, il essaye de tenir au maximum et il tombe. En tombant, il réveille son compagnon. Il ouvre les yeux et voit son ami par terre, qui baigne dans son sang, et des flèches à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconte, je priais et quelqu'un me tirait des flèches. Alors il lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé lorsque tu as reçu la première flèche? Il a dit, je lisais une sourate, je ne voulais pas la couper. Je lisais une sourate, je ne voulais pas la couper. Aïwa. Et nous, on est où du Coran? On est où de la Sunna? On est où du suivi des plus prédécesseurs? Où est-ce qu'on est, nous? Où est-ce qu'on est, nous? Où on est de tout cela? Où on est du Coran? C'est comme ce sahabi qui écrivait le wahy, la révélation, lorsqu'Allah la faisait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a reçu ce verset, où Allah ta'ala a dit, « Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir » ou « karim »« kabir na'am » dit, « Celui qui prête, qui fait un bon prêt à Allah, Allah lui multipliera, il aura une récompense énorme. » Le sahabi dit, « Ya Rasulallah, est-ce qu'on peut prêter à Allah ?» Alors, pourquoi tu dis « Na'am » ?« Tu lui prêtes ici-bas et Allah il te le rend au centuple ou bien encore plus fil akhirah. » Alors il dit, « Ya Rasulallah, j'ai une palmeraie, un jardin fait de palmiers qui m'appartient. Je le donne à Allah et à son messager. » Alors, il pose ce sur quoi il écrivait le Coran et il fonce à cette palmeraie où il trouve sa femme et ses enfants qui jouaient. Il dit à sa femme, « Arrête tout, ne touche plus à rien. Je viens de vendre ce terrain. » Alors elle lui dit, « À qui ?» Et il répond, « À Allah et à son messager. » Et là, les vraies femmes, les pieuses, comme celle-ci, ont répondu, « Quelle bonne affaire tu as fait !» Et même une version du hadith qui dit qu'elle a fait cracher aux enfants les quelques dattes qui leur restaient dans la bouche et qu'elle a dépoussiéré ce qu'il y avait sur eux de terre. Elle a dit, si enlevez tout ça, ça ne vous appartient plus, ça appartient à Allah et à son messager. Ta femme, elle aurait dit quoi, toi, aujourd'hui? T'es malade? Ou bien t'as payé combien? Je veux ma part. Wallahu al-musta'an. Et avant de critiquer nos sœurs, avant encore dire qu'il leur en veut, nous, ces versets, c'est les mêmes qu'on lit dans le Coran tout le temps. Enfin, quand on lit du Coran, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne? Hein, qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà, mes frères? Mada qaddamta li dinillah? Wa mada a'adatta li yawmi al-qiyam? Qu'est-ce que tu as avancé pour cette religion? Et qu'est-ce que tu as préparé pour le jour du jugement?
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni fortune, ni famille ou enfant ne sera profitable ou utile, sauf pour celui qui vient avec un cœur sain. إلا من أتى الله بقلب سليم. فأين سلامة قلبك يا عبد الله. Où elle est la pureté de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur comme ceux qui, lorsqu'on leur parle d'Allah, il se met à frémir? Kitaban mutashabihan mathani taqash'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Un livre béni qui se ressemble dans sa perfection au niveau de chaque sourate. Mathani, et qui se répète sans se ressembler, dont la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit. Et c'est quoi qui attendrit leur peau? C'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, ainsi que leur cœur, ila dhikrillah, au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères, je devais vous parler du Ramadan. Eh bien, on va parler du Ramadan. Ramadan ala al-abwab. Alaysa kadhalik. Ramadan, il est là, il arrive. Dans quelques jours, on sera en Sha'ban. Et après Sha'ban, on sera à Ramadan. 30 jours ou 29 dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ouvrir les portes du paradis. Il fait fermer les portes de l'enfer. Et il enchaîne les plus mauvais des shayatins. 30 jours dans lesquels les actions elles sont multipliées par 10, 100, 700 et plus encore. 30 jours dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala il a franchi ses serviteurs de l'enfer. 30 jours dans lesquels le musulman il se prive de la boisson, de la nourriture, des rapports charnels pour Allah azza wa jalla. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Les savants disent que chaque action elle a un nombre précis de hasanat. Nous on ne sait pas combien, mais les anges qui écrivent les actions le savent. Sauf le jeûne. Le jeûne, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le rétribue. Et c'est lui qui détermine la quantité de hasanat qu'il vaut. Et on ne sait pas combien. Les savants disent pourquoi c'est Allah Ta'ala qui détermine cette récompense. Ils disent parce que le jeûne est une des actions qui manifeste le plus deux éléments. Premièrement, al-ikhlas, la pureté de l'intention. Je préfère cette traduction à la sincérité. La pureté de l'intention, car quand on jeûne, c'est une des actions qui montre le plus al-ikhlas, car des fois on se retrouve tout seul, sans qu'il n'y ait personne avec nous, et pourtant on s'abstient de manger, de boire, ou de faire les choses qui nous sont interdites pendant le jeûne. Et la deuxième des choses, c'est que c'est une des actions qui manifeste le plus la patience. Car lorsqu'on jeûne, on patiente sur l'obéissance d'Allah Ta'ala. Et lorsqu'on jeûne, on patiente face à la désobéissance d'Allah Ta'ala. Wallahi, même les gens qui ne sont pas sérieux régulièrement dans leurs pratiques religieuses, ils font attention. Ils veulent dire un gros mot, ils font « Astaghfirullah, c'est le Ramadan ». Ils veulent voir une fille, ils font « Astaghfirullah, c'est le Ramadan ». Les gens, ils se font attention quand ils font le Ramadan, subhanallah. Ils patientent devant la désobéissance d'Allah Ta'ala. Et ils patientent face aux décrets divins qui sont douloureux. Il patiente face à la faim, il patiente face à la soif, il patiente face aux envies charnelles avec l'épouse. Et Allah dans le Coran dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et là mes frères, ce sera un moyen pour nous de montrer encore plus la patience, de jeûner en été, sous une chaleur assez forte, dans des journées longues et des nuits courtes. Et là malheureusement, on voit les mosquées qui préviennent les gens et leur disent hey, c'est un lutte à Rawih, vite fait. On fait 2-3 pages et puis, Sat'a al-Nabi, comme ils disent.
Ils te disent, cette année, Tarawih, t'as vu, c'est tard, et subh, c'est tôt, ou on a yanin, ou barin n'asso, barin kada, barin kada. Tarawih, à la fin, c'est n'importe quoi. Rib, wallah. Ma t'qadar, je t'sbar, shahr, sana. Sana, wahd, shahr, wahd. Tu peux pas patienter un mois dans l'année. Et quand bien même tu es fatigué, idha lam tastati' an tusalli ma'a an-nas, salli bi mufradika fi baytik wa la tahrim an-nas min hadha al-fadl. Si tu ne veux pas patienter quant à ce grand bien, alors prie chez toi ou va dans une mosquée où ils prient comme des coqs qui picorent et laisse les gens prier. Tarawih jam'u tarwiha. والترويح مأخوذ من الراحة والاستراحة سميت كذلك لإطالتها فكانوا يصلون ركعتين طويلتين حتى كان بعضهم يعتمد على العصا فإذا انتهت تلك الركعتان استراحوا وهلة من الوقت حتى يأنفوا الصلاة بعد ذلك. Le mot tarawih vient du mot repos, se reposer. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que les raka'at étaient tellement longues que certains parmi les pieux prédécesseurs s'appuyaient sur des cannes pendant la prière. Anas disait, il lisait 200 versets dans une raka'a. Et lorsque les raka'at étaient finis, il s'arrêtait un moment dans lequel il se reposait. Il se reposait. Hna al-yawm, wallah hadith wa la haraj. Parle sans t'arrêter, il n'y a pas de mal. Lui-même, c'est Speedy Gonzalez. Je ne sais pas si vous avez vu sur internet, une vidéo, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'est en Turquie ou là, je ne sais pas, un pays qui ressemble à ça, où lui-même, je crois, il essaye de battre le record de la prière la plus rapide du monde. Même si j'essaie de faire le plus vite possible, je n'arriverai pas à sa cheville. Dans une mosquée, c'est filmé. Va dans YouTube et tu tapes l'imam le plus rapide du monde. Ou bien Abou Speedy Gonzalez. Il prie comme ça et les gens, ils prient derrière. Je sais même pas s'ils ont le temps de dire Subhana dans le rukou. Rien de dire Subhana, bas. Et les gens comme ça, ils disent, ah, d'aïmam, mashallah, mleh. Mais t'abnash, hadak. On dit, ça, c'est un imam, c'est, va pas nous fatiguer, celui-là, bien. Et quand toi, t'as le malheur de faire une page, ouais, mshit, ça fait. T'es parti. T'entends, dans la prière, normalement, quand t'es imam, le seul son que t'es censé entendre, c'est Subhanallah, si tu te trompes. T'entends tous les bruits possibles et imaginables qu'on peut faire avec une bouche. Haji, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es en train de prier, t'es me chaud ou wesh? Haji. Et quand tu finis, tu regardes de travers. Khadak, si je pouvais l'attraper. Lisan ou halihim yaqul. Law istata'tu an atamassaka bih, la ra'a 'ajab al-'ujab. Wa ba'dhum hadha lisan maqalihim. Une fois, à la mosquée, l'imam il n'est pas venu à Subh. On m'a dit de faire la prière. J'ai récité Surat al-Rahman entièrement, que j'ai coupé en raka'atayn, en deux fois. À la fin de la prière, les gens n'ont rien dit, mais j'ai senti une certaine tension. Donc moi, discrètement, je faisais mon dick sans regarder les gens. À la fin, donc les gens sont partis, je suis resté plus ou moins seul, pas tout seul, mais avec quelques personnes à la mosquée, il y a un vieux qui vient me voir, il me fait Haouldi Raka, ton vol t'alina bzaf. Haouldi, quand même, c'était long, tu nous as fait mal. Et nous, chez nous, là-bas, dans 93, on a le siège de la sécurité, des allocations familiales à Saint-Denis, dans une grande tour. T'arrives là-bas, il y a une queue, elle fait 300 personnes. Et je lui fais, ah, mais tu vas à la tour de la sécurité à Saint-Denis? Il me fait, oui. J'étais déjà parti là-bas, t'as déjà fait le kalam? Il me fait, ouais, m'shit, c'est ma. C'était déjà arrivé d'attendre là-bas, ouah, c'est atteint, nous l'acteur. Il me fait, ouais. Est-ce qu'il lui, il veut pas où je vais en venir? J'étais, le kéti chez Makan Bach de Glace ou la prêti wakaf? T'as trouvé un endroit pour t'asseoir ou bien t'es resté debout? Il me fait, chèque t'alakan, kawakaf, chèque t'alakan Glace. Des fois, je suis debout, des fois, je suis assis, je fais, mais barak Allah fik. T'as déjà été les voir et tu leur as dit, tu vois le soualina? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, ouais, Wildé. Et il est parti. Et c'est pareil. Tu travailles à l'usine, t'es 8 heures, t'es fatigué, t'en as marre, tu veux rentrer chez toi. Votre main de voir, il te fait, hey, on est en galère là, tu peux rester une heure de plus. Franchement, je suis fatigué. 200% l'heure, vas-y, c'est bon. C'est où?
صح ولا لا؟ غالب الناس c'est comme ça. غالب الناس les شديد الأسف. Malheureusement c'est comme ça. Mais ils se brouchent à la din ou ils se brouchent à la dunya. Ils patientent pour ce bas monde parce que la récompense elle est concrète, elle est palpable. Le billet tu l'as dans ta main, tu le regardes, c'est un vrai, c'est un faux, c'est bon. Maintenant quand on parle de ajr et de hasanat, ya rabbi kbir, kulluna nadkhulu al-jannah. On rentre tous au paradis, rahmatullahi wa si'a. T'as vu la chanson qui chante, on ira tous au paradis. Ils ont dû l'apprendre à des gens de chez nous, ça. Hein, mes frères, c'est le ramadan. Lisez le Coran. Priez Tarawih. Faites le maximum, wallah. S'il y a un mois dans lequel on doit vraiment se fatiguer, c'est ce mois-ci. Et pas se fatiguer parce qu'on a des longues journées où on jeûne, mais se fatiguer dans l'ibadah. Et wallah, ces jours que vous allez passer à vous fatiguer dans l'ibadah, et ben quand vous les verrez devant Allah Ta'ala, vous serez fiers et contents. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sa'imi farhatan, yafrahuhuma, farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pour le jeûneur, il y a deux joies qu'il éprouve lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur. Quand on l'a dit tout à l'heure, le jeûne, c'est Allah Ta'ala qui le rétribue, on a expliqué pourquoi. Et il dit, c'est pour moi, c'est à moi. Les ulama, ils disent, vous savez, que quand on fait du mal aux autres, en les insultant, en leur faisant du mal d'une quelconque façon, et si on arrive, s'ils ne nous pardonnent pas devant Allah Ta'ala, eh bien ils prennent de nos hasanat. Vous le savez cela. Qu'Allah nous préserve de cela. Wallahi, mes frères, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles si ce n'est pour leur faire du bien. Et ce morceau de chair qui se balade dans vos bouches, gardez-le à l'abri. Et faites attention, extrêmement attention, de ne pas dire du mal sur quelqu'un. De ne pas dire du mal sur quelqu'un. Et ses doigts, et ses mains, et ses membres que vous avez, ne les utilisez pas pour faire du tort aux autres. Parce que si tu peux te sentir fort, devant Allah, on est tous pareils. Et devant Allah, le faible, il va prendre sa justice auprès de toi. Alors, إذا ردت المظالم إلى أهلها أو إذا ردت المظالم إلى أهلها وأخذت من حسنات الناس بقي عمل واحد لا يؤخذ منه حسناته لا تؤخذ منه حسناته وهو الصيام لأن الله تعالى اختص به. Lorsque les gens devront répondre du mal qu'ils ont fait aux autres et comprendront leurs hasanat, il n'y aura qu'une seule action à laquelle on ne touchera pas, c'est le jeûne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour lui et on n'y touche pas. Mes frères, istaghillu al-fursa. Saisissez l'occasion, wa ma yudri, comme on a parlé de la mort, vous ne savez pas. Peut-être que c'est votre dernier ramadan. Peut-être que c'est votre dernier ramadan, alors faites-le comme si vous n'en feriez plus, comme si vous n'en faisiez, vous n'allez plus jamais en faire un par la suite. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الوقت بعد الصلاة إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان على الوجه الأكمل على الوجه الذي يرضيه عنا يا رب إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم